Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit kit de six rouges à lèvres de la marque Vivia Cosmetics. Je vous avais présenté, fait du moins une revue sur un kit de 12 pinceaux de cette marque. Et du coup, je me suis lancée dans les rouges à lèvres et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai swatché les 6 rouges à lèvres en fait, je les ai portés sur mes lèvres et je vous les ai mis en photo. Je vous les mettrai au fur et à mesure de la vidéo et vous me direz du coup ce que vous en pensez. Donc voilà, alors ce kit se présente comme ceci, il est vraiment magnifique je trouve. Donc il y a deux kits en fait, un kit de 6 rouges à lèvres plus foncé et les autres un peu plus clairs. Donc du coup moi j'ai préféré celui-ci. Voilà, alors pour le prix ils sont sur Amazon à 34,99€, donc au lieu de 84,99€. Donc du coup c'est pas mal intéressant je trouve. Alors ce kit est comme ceci. Un petit peu effet velours, un peu, enfin ça accroche un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment super beau ce kit, j'adore, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Donc c'est le kit Luxurious Color Isaya. Donc voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, je vous marquerai dessous la vidéo de toute façon. Alors, vous avez du coup le kit qui se présente à l'intérieur comme ceci. Vous avez donc les 6 rouges à lèvres, les 6 teintes. Je trouve vraiment super, super joli comme rouge à lèvres. Et à l'intérieur, vous avez donc les petites boîtes du coup. Comme ceci, et les rouges à lèvres à l'intérieur qui se présentent comme ça. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, j'adore. Doré. Alors après, les traces de doigts, je ne les ai pas utilisées souvent. Donc du coup, je ne peux pas trop voir. Mais à mon avis, les traces de doigts, elles doivent être pas mal voyantes. Alors, je vais vous présenter du coup les rouges à lèvres. Alors celui-ci. Voilà, qui est une couleur marron, très très jolie. C'est le Foreign Touch. Donc moi et l'anglais, ça fait deux. Donc Foreign Touch L250C. Donc je vais vous faire le swatch là, comme ça. Et je vous le montrerai porté également. Donc voilà, une très jolie couleur. J'aime beaucoup, donc je les rangerai après. Ensuite, celui-ci. Qui est une couleur rouge. Le swatch est ici. Voilà. Et celui-ci, c'est le Wild Passion. Celui-ci. Celui-ci qui est un bordeaux. Très très foncé. Il est vraiment super joli. Donc ici. Ici. Ensuite, le Secret Bay qui est comme ceci. Il est trop trop joli celui-ci. Voilà. Ensuite, le Summer Brit qui est celui-ci, un rose assez clair. Donc celui-ci,
Je sais pas si j'arriverai à le porter vu que c'est une teinte quand même très très claire, donc à voir. À voir. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un rose un peu Barbie, comme j'appelle ça. Donc du coup, je sais pas si j'arriverai à le porter, donc je vais voir. Voilà. Et pour terminer, du coup, le Milanose Romance, celui-ci qui est un rouge foncé également. Je vais vous le mettre ici. Voilà, comme ceci. Il est bien rouge et je ne vous ai pas montré du coup le raisin qui est comme ceci. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, vu que ça a été le dernier à faire le swatch, du coup, ben, je l'ai gardé. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. C'est un set de pinceaux, du coup, vegan et non testé sur les animaux. Pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais parlé du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, des pinceaux vegan. Et donc, ben, toute cette marque-là, en fait, Luvian, en fait, ne teste pas sur les animaux et les produits sont vegan. Donc voilà. Et bien, écoutez, j'ai terminé de vous présenter ce petit kit de rouge à lèvres. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et en attendant, bah, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous!